Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le chat, bonsoir les anciens, bonsoir les nouveaux. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et vous pouvez me répondre en chat sans problème. Vous le savez maintenant, pour les plus habitués d'entre vous, vous avez moyen de participer à chaque live du dimanche soir, 19h, dans le chat. Hein. Donc on va essayer d'être de plus en plus interactif. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et ça c'est cool. Et donc ce soir, on entame la deuxième partie du thème des modes. Alors les modes rattachés au degré, qui eux-mêmes peuvent se décanter comme des arpèges, etc. Bref, tout ce vocabulaire-là, eh ben, on va essayer de parler de tout ça, démystifier un petit peu tout ça, encore une fois. Pour la deuxième soirée, est-ce qu'on va chuter dans l'audience? Enfin, nous allons voir. Mais on va essayer de rester calme, déjà. Dans la première demi-heure, et puis dans la seconde partie du live, on va peut-être piquer un peu plus, ou pas, on va voir. Ce soir, on va essayer de rester au maximum calme et pédagogique, si possible. Deux, trois petites indications. La première, c'est que vous pouvez récupérer des documents par rapport au live de ce soir dans l'onglet Bassistic Live sur le site bassistic.com. Pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le sauraient pas, bah maintenant c'est fait. Voilà, donc vous pouvez récupérer deux PDF qu'on va regarder ce soir. Donc le premier PDF, je vous ai fait un petit rappel de ce que sont les modes finalement. Je vous ai fait un petit rappel sur ce premier PDF. On pourra le consulter un petit peu là pour commencer. Et puis sur le deuxième PDF que vous pouvez récupérer, je vous ai mis quelques cadences harmoniques, ce qu'on appelle des cadences harmoniques, c'est-à-dire concrètement à quoi peuvent servir les modes, même s'il y a d'autres outils aussi qui sont possibles pour faire ça. À quoi peuvent servir les modes? Ça peut servir à analyser des chansons et à comprendre comment les chansons sont construites, tout simplement. Donc on verra quelques exemples de chansons connues, et c'est là que le strike du live se fera, à mon avis, et donc la monétisation sautera une fois de plus,
Mais c'est la vie, c'est comme ça. À ce propos, en parlant de monétisation, un petit mot aussi, parce que j'ai vu passer des trucs dans la semaine, des remarques et tout ça. Si vous voyez que le live est pourri par la pub, si vous voyez que les replays sont pourris par la pub, si vous ne l'avez pas encore fait, installez Adblock sur votre navigateur et vous serez plus embêté. Ok? Le truc à savoir, c'est que bah, ça n'appartient pas forcément tout le temps aux youtubeurs le fait qu'il y ait de la pub sur leurs vidéos, hein, qu'elles soient monétisées ou non. De toute façon, il y a des pubs sur les vidéos. Et donc, du coup, moi, j'y peux rien. C'est le système YouTube qui est comme ça. Donc, vous avez Adblock, Adblock, pour vous protéger, vous préserver un petit peu de ça. Puis dites-moi en chat si vous l'avez installé, si ça fonctionne bien, si vous n'êtes pas embêté par les pubs intempestives. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va. On est 114. Ça démarre très fort. On a fait un pic de 196 spectateurs là, dimanche dernier. C'était le record absolu. Alors, merci à vous tous. Hein. J'en profite pour vous adresser mes remerciements parce que c'est bah, c'est cool de voir que ça intéresse du monde. Je pensais pas que ça intéresserait du monde le fait de parler de théorie, des modes et tout ça. Eh bien, écoutez, tant mieux. Ça veut dire que les gens deviennent curieux et ne se contentent plus de reproduire des covers sans forcément comprendre ce qui se passe sur la basse. Ça serait cool. Bon, allez, c'est parti. On va regarder. Alors, attention, nouveau PC. Boum, attention les yeux. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui, pour le moment. Un petit PDF. Je vais le sortir de mon côté, moi. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Ok, donc un petit rappel du vocabulaire musical, avec comme exemple la gamme majeure diatonique, hein, puisqu'on parle de la gamme majeure, encore une fois, ce soir, avec ses différents modes. Donc le petit rappel, c'est quoi? C'est que la gamme majeure est une succession ordonnée de 7 degrés. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce sont les degrés d'une gamme majeure. Et ce qu'il va bien falloir comprendre, un petit peu comme la dernière fois, hein, la semaine dernière, c'est que. Attendez, je ferme ça. Voilà, bougez pas. Voilà. C'est que. On va prendre comme exemple la gamme de Do majeur, mais évidemment, on pourrait partir de n'importe quelle note et retrouver. La gamme et retrouver la gamme de Do majeur. Jouer une gamme de Do majeur, mais qui ne serait pas en Do, dont la note de départ ne serait pas en Do. Et donc la tonalité ne serait pas Do. Et je vais essayer de vous le montrer sur ce petit récapitulatif. Donc là, on prend l'exemple en Do, on verra après qu'on peut le prendre bah, voilà, dans une autre tonalité que Do. Donc le premier tableau, je vous ai bien spécifié que. On a donc pour la gamme majeure l'exemple en Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et donc, les degrés, c'est quoi? Bah, c'est simplement les notes de la gamme majeure, quoi. On les appelle des degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? De ces 7 degrés, eh ben, on dégage des noms bien précis. En tout cas, on les numérote, mais avec un vocabulaire un petit peu plus musical. Donc là, j'ai pas mis toutes les façons d'appeler ces notes-là quand on veut les numéroter. Il y a du vocabulaire classique, du vocabulaire plus moderne. Il y a plusieurs façons. Bon, moi, on se calme. J'ai mis, par exemple, pour la première note, le premier degré, ben, on appelle ça la tonique ou la fondamentale. Ok? Deux, devine, Marcel, seconde, super dur. Trois, tierce majeure, comme à la belote, une tierce. Quatre, la quarte. Juste, ok. Pourquoi les cartes justes? Pourquoi juste? Ben parce qu'il y a des cartes pas justes. Voilà, c'est tout. Il y a des cartes augmentées, par exemple. Et 5, c'est la quinte, quinte flush au poker. Sixte, 6, tournoi de sixte, hein, au foot. Et 7, la septième. Bon, là, en l'occurrence, on l'appellera la septième majeure. Ok? Donc, ça, c'est le premier truc de vocabulaire que vous pouvez mémoriser, ça serait cool. Ok? Est-ce que ça va pour vous pour l'instant dans le chat? Dites-moi tout. Pourquoi c'est flou l'image? Merde. Alors, si l'image est floue, n'oubliez pas d'actualiser votre navigateur. Vous faites actualiser. Ou alors, vous augmentez la résolution sur YouTube. C'est que vous êtes sur une résolution basse. Moi, de mon côté, l'image paraît nette. Donc, je pense pas. Voilà, je pense pas que ça vienne de moi, comme dit Face. Hein, je la trouve nette l'image, donc non. Donc pensez bien à augmenter la résolution sur YouTube.
Si vous êtes en 480, l'image va être dégueulasse, quoi. Okay? Si vous pouvez vous mettre en 720 ou en 1080, c'est la fête, tout simplement. Donc voilà, et actualisez vos pages si jamais vous voyez que ça merdouille. Donc, si on continue un petit peu, donc mémoriser tonique seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième majeure, pour parler des degrés, ouais, c'est cool, c'est le langage musical. Ok ? Ensuite, je vous ai mis, les degrés de la gamme majeure sont séparés par des intervalles précis, ce qui donne une échelle musicale propre à la gamme majeure. Les intervalles, c'est quoi ? C'est les espaces entre les notes. Et donc, ce sont les... les tons et les demi-tons. Tout à fait. Et donc, sur une base pour les débutants, hein, quand on joue une note et qu'on avance de deux cases, c'est qu'on a avancé d'un ton. Ici, on recule d'un ton. Alors tiens, ça c'est pareil, un petit passage là, vitos, histoire de dire, pour les grands débutants, par exemple. Mouvement ascendant du grave vers l'aigu, on monte. C'est l'idée donc de l'échelle musicale, hein, pour cette gamme majeure par exemple. On monte, on n'est pas en train de descendre. Peut-être que pour vous, on descend sur la basse, mais non. On monte dans les aigus, ok ? Et on descend dans les graves d'un ton. Que ce soit clair. Et puis, un intervalle plus petit, une case, demi-ton vers l'aigu, demi-ton vers le grave. On monte d'un demi-ton vers l'aigu, on descend vers les graves, ok ? Juste une petite précision, parce que j'ai vu encore passer ça cette semaine dans les cours. Hein. Ok, donc voilà, histoire de clarifier un petit peu. Et donc, ces histoires de ton et demi-ton, ben voilà un deuxième truc à apprendre par cœur. Les degrés, ici. Entre le premier degré et le deuxième degré, un ton entre le 2 et le 3, un demi-ton entre le 3 et le 4, un ton et un demi-ton jusqu'à ce qu'on rejoigne l'octave, c'est-à-dire retour à la première note de la gamme. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis en dessous. La gamme majeure, c'est donc une succession de degrés séparés par des intervalles, des tons et des demi-tons. Et il faut apprendre ça par cœur. Donc attention, voici le dicton. Dicton, ça fait beaucoup. Non, le dicton. Une gamme majeure est constituée de 7 degrés séparés par les intervalles suivants. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça, c'est par cœur, messieurs, dames. C'est le minimum syndical, c'est le B.A.B.A. Hein, la première route, le premier chemin. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. À chaque fois qu'on joue une gamme en respectant ces intervalles-là, on est en train de jouer une gamme majeure. Donc, comme je vous le disais, ce soir, et comme très souvent en théorie, on prend l'exemple en Do majeur. Donc, Do, et c'est parti. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ok, et donc ça nous fait, si on écoute un peu la gamme. Ou alors on peut la jouer de manière verticale. Et on a toujours Do, Ton, Ton, demi-ton, Ton, 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 demi-ton. Et donc le truc à bien piger, c'est que là, c'était la gamme de Do majeur. Si vous voulez jouer une gamme de Ré majeur, vous prenez la note Ré et vous faites Ton, Ton, demi-ton, Ton, 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 demi-ton. Ok, ça marche exactement pareil, et là vous êtes en Ré majeur. Donc c'est un petit peu ce que je vous explique sur la suite du document, hein, en résumé. Je vous prends l'exemple avec une autre tonalité, donc. Ça veut dire que changer de tonalité, ça veut dire qu'on change la note de départ, en fait. Hein. Et donc voilà la gamme de Ré majeur que vous avez dans un tableau. Et effectivement, quand on suit l'ordre des tons et des demi-tons, comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, on part d'un Ré en première note, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Et ce qui est cool, c'est que sur une basse,
vous le savez maintenant, hein, j'espère. Et ben, à la main gauche, c'est la même mécanique que pour le Do majeur. Donc c'est hyper cool, d'où la vidéo, hein, la basse, cet instrument de feignasse, tout simplement. On a juste à déplacer la mécanique pour jouer une gamme de Ré majeur. C'est pas cool ça. Bon, ceci étant précisé, tous ces petits rappels, comment est construite une gamme majeure avec ses 7 degrés et tout ça, eh ben on peut rentrer à nouveau dans le dur. Et donc, tiens, si j'arrive sur ma deuxième feuille, par contre, je veux bien qu'il me la colle correctement. Tac, ça nous fait ça. Les gammes de Do majeur et de Ré majeur obéissent donc aux mêmes règles, mais ne contiennent pas les mêmes notes. Et oui, c'est fou. Ré, Mi, gamme de Ré majeur. Ré, oui, il y en a une, il y a un Ré dans Do majeur. Mi, il y a un Mi dans Do majeur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? C'est la même gamme. Poum. Non, Fa dièse. Et là, Fa dièse. Mais il n'y a pas de Fa dièse dans Do majeur. Fa dièse. Merde. On est bien sur une autre tonalité. Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse en septième majeur, et Ré, nom de Dieu. Mais c'est donc ça. Les gammes de Do majeur et de Ré majeur obéissent aux mêmes règles, mais ne contiennent pas les mêmes notes. Et ça, c'est fou. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Ok ? Donc, gamme de Do majeur, gamme de Ré majeur, gamme de Mi majeur, gamme de Fa dièse majeur, gamme de Sol bémol majeur. Tout est possible, hein. Les dièses et les bémols n'ont rien à voir avec le fait de jouer une gamme majeure. Une gamme majeure, c'est à partir de n'importe quelle note, pour peu que l'on garde cet ordre des tons et des demi-tons. Ok. Maintenant, rappel du vocabulaire sur les modes. À chaque degré correspond un mode. What ? Mais oui, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Ça tombe bien. Vous avez votre gamme de Do majeur, par exemple, ici. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ça, c'est les notes. Donc, les notes s'appellent des degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en chiffres arabes. Et donc, de chaque degré, bah regardez un petit peu les colonnes qui se présentent là. Donc là, c'est le premier Doliprane, hein, qui arrive. Peut-être le deuxième pour certains. On va voir dans le chat. Mais là, si vous regardez par colonne, eh ben, maintenant je vais prendre chaque degré de ma gamme de Do majeur, et de chacun de ces degrés va découler une nouvelle gamme qui s'appellera un mode. Oui. Et donc, je vous ai mis en chiffres romains cette fois les modes. Les modes s'écrivent en chiffres romains, les accords, tout ça. Et donc, je vous ai mis les noms des modes, ionien, dorien, phrygien, lydien, etc., etc. Et puis donc, sous chaque degré, le mode qui lui correspond. Et ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, pour les petits nouveaux qui découvriraient ces lives, je vous invite à vous taper le replay de dimanche dernier. Et vous allez tout comprendre, peut-être. On verra, c'est pas sûr. Bon, est-ce que ça va tout le monde? Je vais essayer d'attraper des questions. Et comment on fait avec une gamme à 8 notes? Voilà, me demande Chris. On fait exactement la même chose, mais avec 8 notes. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Pour le demi-ton, on sort avec une naine moche. Merde, j'ai trop tard. Faut que j'anticipe ma lecture avant de vous lire en direct les questions, parce qu'il y en a qui... Non, tu vois, Seb, en plus, biscotte, je sais en plus, trop tard, je me suis laissé avoir. Et comment on fait avec une gamme à 8 notes, c'était ça. Pourquoi on prend toujours le Do d'ailleurs, dit Damien. Exactement, on prend toujours le Do parce que c'est dans la gamme de Do majeur qu'il y a toutes les notes naturelles. C'est ce que je disais la semaine dernière, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bémol et pas de dièse dans la gamme de Do majeur. Donc c'est plus facile d'expliquer les choses quand on s'embête pas avec des bémols et des dièses. Mais t'as raison, c'est la seule raison pour laquelle on prend vraiment la gamme de Do majeur. Ça nous permet de repérer les notes naturelles sur le manche. Donc voilà, pédagogiquement c'est cool.
Mais tout ce qu'on dit là, hein, c'est ce que je disais juste avant, c'est valable pour Ré majeur, pour Sol majeur, pour Fa majeur, pour Si bémol majeur. Hein. Si bémol majeur. C'est exactement les mêmes intervalles, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà, Do, ce n'est qu'un exemple. Mais on s'en sert très souvent, hein. Tous les profs de la Terre font ça. Hein. Ou la gamme chromatique. Alors, Chris est taquin ce soir. Alors, la gamme chromatique, justement, hein, à l'inverse de la gamme diatonique dont on parle aujourd'hui, la gamme chromatique se fout complètement des intervalles, des tons et des demi-tons, des modes et tout le machin. La gamme chromatique, elle n'est pas concernée pour ça. C'est pour ça qu'on l'appelle chromatique et pas diatonique, quoi. Donc voilà, la gamme chromatique, bah, tes problèmes sont résolus. Je sais pas jouer, joue chromatique. Et c'est bon, c'est faux. Je le précise quand même. Ok, me dit David, pour l'image en 1080, c'est top. Merci David. Donc ça veut dire que tous ces efforts et ces investissements n'ont pas été vains. Voilà. Pour ceux qui se poseraient des questions, hein, j'ai un copilote derrière, là. Vous le voyez pas. Ouais, il est anonyme. Vous voyez, j'ai masqué, j'ai flouté avec mon micro son visage. Parce qu'il n'est pas encore adulte, tout simplement. Ouais, ouais, on est. Voilà, c'est un vrai cockpit maintenant ici, là. Donc il fait pas de bruit. Ouais, c'est bon, toi. Dégage. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, il y en a peut-être d'autres, je les ai loupées, j'en suis désolé, mais non, a priori. Eric, le mode dorien est le deuxième degré de la gamme majeure, exactement, donc c'est ce qu'on a mis sur ce petit tableau. Ok. Bon, évidemment, quand on est débutant, on n'aborde pas forcément les modes d'entrée de jeu comme ça, ça c'est pour des débutants plus, on peut commencer à parler de l'harmonisation de la gamme majeure, c'est ça en fait, hein, d'étudier les modes. Et donc, on a dit la semaine dernière que les modes ont plusieurs utilités. On en a démontré quelques-unes dimanche dernier. Alors là, ce soir, moi j'aimerais me servir des modes pour essayer de comprendre comment sont fabriquées les chansons. Alors il y a d'autres outils que les modes pour ça. Par exemple, on pourrait se contenter de la connaissance des arpèges pour connaître la construction des chansons. Il y a d'autres outils que les modes. Mais là, pour moi, les modes, ça permet non seulement de comprendre la structure des chansons, mais en plus, une fois que cette structure est comprise, d'avoir les bonnes gammes à jouer sur les accords grâce aux modes. Ce qui fait que quand un pote se pointe avec une chanson à la maison sur sa gratte et qu'il nous demande de faire une ligne de basse, si on repère à quel mode appartiennent ces accords, comme on sait que les modes sont des gammes, on va pouvoir appliquer les bonnes gammes sur les accords de notre pote. Et donc, pour moi, c'est ça aussi un des buts de la connaissance des modes. C'est ça aussi, c'est qu'on va savoir vraiment quelle note on a le droit de jouer à chaque fois qu'il y a un accord qui passe, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai mis derrière. On voit donc qu'à partir de chaque degré, on peut construire une nouvelle gamme que l'on appellera mode. Chacun de ces modes possède une suite d'intervalles bien précis qui donne à chaque fois une couleur au mode. Bon, ça, on l'a vu la semaine dernière, hein. Chaque mode a une couleur particulière, une couleur sonore. Hop là, petit bug. Afin de pouvoir utiliser les modes pour analyser les compositions musicales, il est nécessaire de dégager leur nature en déduisant leurs arpèges respectifs. Alors ça, on va se pencher un petit peu sur le truc quand même. On a vu que les modes étaient des gammes. Donc si on prend le premier mode, le premier degré qui est un Do pour la gamme de Do majeur, on joue la gamme, et par la même occasion, la gamme de Do majeur est le premier degré, et le premier mode. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle le mode ionien. Ok. Ce qui serait cool, c'est de dégager la nature de ce mode. C'est-à-dire que sur quel type d'accord on a le droit d'utiliser ce mode. Et pour moi, le plus pratique pour faire ça, c'est de dégager, d'extraire l'arpège de ce mode. Donc, pour les débutants qui ont commencé à bosser leurs arpèges, on sait que ce sont les notes impaires de la gamme, tout le temps. Donc il suffit d'extirper la tonique, la tierce, la quinte et la septième majeure.
Et là, on s'aperçoit donc qu'on a un arpège de Do majeur 7. Je ne m'étends pas là-dessus, puisque il y a des lives hein, où on a parlé des arpèges, tout ça, comment ils sont formés, comment c'est construit et tout. N'hésitez pas, hein, si vous êtes déjà paumé, allez vous faire un replay sur les arpèges à la basse, comment c'est construit, les majeurs, les mineurs, les septièmes. Et normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Donc, une fois qu'on a dégagé l'arpège des modes, par exemple, mode dorien, le deuxième, on dégage tonique, tierce, quinte, septième, on s'aperçoit que effectivement, on a une tierce mineure, une quinte, une septième mineure. Donc, il est mineur septième, ce deuxième degré, etc., etc. Et on peut faire pareil pour tous les degrés. Ce qui fait que on se retrouve avec le mode ionien qui est majeur 7, le mode dorien qui est mineur 7, le phrygien mineur 7, le lydien majeur 7, le mixolydien septième, l'aéolien mineur 7, le locrien mineur 7 bémol 5. J'ai rien compris à ce que j'ai écrit. C'est faux. Bon, vous voyez que chaque mode, qui est donc une gamme, finalement, eh ben, à sa propre nature. Il y en a qui sont majeurs et d'autres qui sont mineurs. D'autres qui sont septièmes et d'autres qui sont complètement tripés. Mineur 7 avec une quinte bémol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça, c'était le petit rappel. Et je suis allé tout chousse là pour essayer, pour faire en sorte que ça tienne dans la première partie du live. Ok. Est-ce que ça va encore tout le monde? Il y a eu un petit crash chez Fuji. Ouais. Harmonisation d'une gamme grâce au mode. Pas de questions, ça va. On n'a pas perdu trop de monde. Ok, on continue. Bon alors, maintenant on va passer à la partie ludique du cours. Là, c'était la partie abrupte. Hein. Là, c'était la partie méchante, pas gentille, théorique et tout ça. On va essayer de faire du ludique. Alors, une petite question de Max. C'est avec les modes qu'on peut attaquer les fameux 2-5-1. Voilà, tout à fait, Max. C'est ce qu'on va voir. On va pas voir le 2-5-1 ce soir. On va voir des trucs un petit peu plus fun. Mais le 2-5-1, c'est une cadence harmonique, tout à fait. Et donc, on va essayer de repérer des cadences harmoniques et d'essayer de coller les modes dessus. On va essayer de faire ça dans cette deuxième partie. Gilles, ça va pour le moment, tu fais un boulot de malade, dit Thierry, merci Thierry. Mais ouais, non, c'est toujours pareil, hein, les lives, c'est un condensé de ce qui se passe en cours. Évidemment, en cours, on prend notre temps, on est posé, on fait des choses progressivement, on fait des exercices, des machins. C'est à ça que servent les cours, hein. En live, c'est toujours, là je vous fais un résumé de ce qui peut se passer dans votre apprentissage sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça se travaille, ça se développe tranquillement, hein, évidemment. Hein. Ça, il faut toujours garder à l'esprit hein, qu'un live, là comme ça, sur les modes, c'est juste une blague, c'est juste une introduction, quoi, hein. C'est vraiment histoire de se dire, avec un petit peu de méthode, on peut très bien comprendre, et le but du jeu, c'est que juste que vous arriviez à capter l'utilité de travailler ça. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Mixolydien, c'est majeur ou mineur, demande Jonathan. Eh bien, mixolydien, alors si je garde la tonalité de Do majeur, on est en Sol, 5e degré. Mixolydien, c'est le 5e degré. Et donc, quand on l'observe, c'est-à-dire quand on observe sa nature, le plus facile donc, c'est d'extraire l'arpège. On a la tonique, évidemment, une tierce majeure, une quinte et une septième mineure. Donc la petite règle pour savoir si, ouais Jonathan, pour savoir si un mode est majeur ou mineur, si une gamme est majeure ou mineure, si un accord est majeur ou mineur. Tonique, intervalle de tierce majeure. Je rappelle, hein, tierce majeure, deux tons d'écart avec la tonique, sol et si, sol et si, tierce majeure. Si tu trouves une tierce majeure dans ton arpège, ta gamme, ton accord, c'est que c'est majeur.
l'accord, l'arpège, la gamme est majeure. Terminé. Dès que tu as une tierce majeure, accord majeur. Bon, le problème avec cet accord-là, le mixolydien, c'est qu'il contient une tierce majeure, mais aussi une septième mineure. Et donc, c'est un accord hybride qu'adore les bluesmen et les funketeers. Donc, c'est un mode majeur avec une septième mineure, tout simplement. Ok ? Enfin, tout simplement, tout est relatif, comme disait Albert. Est-ce que ça va ? On continue donc ? On part dans les cadences harmoniques, les analyses de morceaux ? Alors là, pour les plus avertis, oui, le 2-5-1 en jazz, oui, la cadence plagale en blues, tout ça, l'Anatole, on va la voir quand même. Ouais, tout ça, ce sont des cadences qui sont connues par ceux qui bossent l'harmonie. C'est-à-dire que c'est quoi, en fait, une cadence harmonique ? C'est tout simplement le fait de... Allez, pour vulgariser, hein, encore, hein, comme à chaque live, hein. Une cadence harmonique, c'est quoi ? C'est le fait d'additionner, on va dire, les uns derrière les autres, des accords. Et donc, quand on rentre à l'intérieur de ces accords, on peut les analyser et donc superposer sur eux nos modes. Exemple, si un pote se pointe à la maison et qu'il vous joue un do mineur, c'était l'exemple de dimanche dernier, je crois, il vous joue un do mineur et puis il vous dit « ben, tu peux me coller une ligne de basse là-dessus, mec ?» ou « meuf ?» Et ben vous savez que c'est un accord de do mineur 7 et donc vous allez chercher dans votre répertoire de mode un mode mineur 7 qui puisse coller sur son accord. Donc vous allez jouer un mode mineur à partir d'un do, puisque son accord c'est un do. Donc vous allez sortir par exemple le deuxième mode, le mode dorien qui est mineur. Vous allez le faire démarrer à partir d'un do et vous dégagez le mode. Ok ? Et ben en fait les chansons sont construites comme ça, sont construites par des suites d'accords et à chaque accord on peut coller un mode. Okay. Et si on arrive à coller ce mode-là, bah non seulement on comprend comment la chanson est construite, mais en plus, donc, on peut jouer, utiliser ces modes pour jouer des lignes de basse. Allez, démonstration, on va regarder ça. Je vais essayer de vous amener sur hop, la deuxième feuille. Clac, ce truc-là. Les cadences harmoniques. Donc la première cadence qu'on va regarder, c'est la cadence Stand By Me. Donc hein, pareil, hein, on fait dans le ludique au maximum ce soir. La cadence Stand By Me. Est-ce que quelqu'un dans le chat comprend ce qui est écrit ici, la cadence Stand By Me 1, 6, 4, 5. Premier mode, sixième mode, quatrième mode et cinquième mode. Voilà comment est construit Stand By Me avec quatre modes qui se suivent et vous voyez l'ordre des modes importe peu. On commence par le 1, ça déjà c'est cool, mais boum, on va choisir le 6 directos, puis on passe au 4 et un 5 juste derrière. Ok, bah ça donne une chanson. Donc je vous ai mis l'exemple en do majeur, donc vous allez voir que c'est pas la tonalité d'origine de Stand By Me, mais voilà, je vous ai résumé un petit peu. Admettons qu'on doive jouer Stand By Me en Do. Donc ça veut dire que le premier mode, ça serait Do. Le premier accord, ça serait Do. Donc le 1, c'est Do. Et bien le mode qui lui correspond, ça va être forcément le premier mode. Et on va prendre le mode ionien. Et donc on va avoir le mode qui s'appelle Do majeur 7, le mode ionien. Ensuite, le sixième degré de Do majeur, c'est quoi ? Donc là, on s'arrête un petit peu. Comment retrouver le sixième degré d'un Do majeur ? Pour ceux qui ne le savent pas encore, comment retrouver un degré à coup sûr ? Quand vous êtes en Do majeur, bah, vous commencez par la note Do. Et le sixième degré de Do, c'est quoi ? Bah, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième degré, c'est la sixième note de la gamme. Ok ? Donc vous prenez pas trop la tête pour retrouver les degrés. Voilà, le sixième degré, c'est la sixième note de la gamme. Donc, qu'est-ce qui se passe pour notre petit Stand By Me ? Ça veut dire que, hop,
Je suis où là? Je suis là. Ça veut dire que pour Stand By Me, eh ben, le deuxième accord de Stand By Me, ça sera la mineur. Puisque le sixième degré, il est mineur. Et la sixième note de la gamme de Do, bah, c'est un La. Hop. Donc ça veut dire que 1 puis 6, eh ben, Stand By Me, ça commence par Do. Et puis La mineur. Ok. Le quatrième degré de Do majeur, c'est quoi? Ben, Do, Ré, Mi, Fa. Eh ben, c'est la quatrième note de Do majeur. Donc c'est un Fa. Et ceux qui étudient les modes savent que le quatrième mode, c'est un mode majeur. Donc ça veut dire que le mode, c'est Fa majeur 7, le mode lydien. Et ensuite, Stand By Me, ça finit par un cinquième degré. Même question, cinquième degré de Do majeur, c'est quoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est un Sol. Donc G en chiffrage anglo-saxon. Et donc on est sur le mode mixolydien. Okay. Donc ce qui fait que si maintenant on joue cette cadence en accord, ça nous fait 1, 6, 4 et 5. Et on revient sur le 1. When the night has come. Et voilà. No, I won't be afraid. No, I won't share a tear. And then, as you stand by me. Ok. Et donc, avec la suite 1, 6, 4, 5, eh ben, on peut jouer Stand By Me. Wouh! Est-ce que ça s'est passé comme un faux ou est-ce que c'est complètement fou? Renaud est largué, on l'a perdu. Jester, c'est ça qu'on appelle les degrés. Pourquoi on ne dit pas qu'on joue la sixte alors? Parce que la sixte, c'est la sixième note de la gamme, la sixte. Ce qui n'est pas forcément le sixième mode. Donc c'est juste une question de vocabulaire. Le sixième mode part à partir de la sixte. Voilà. Donc la sixte est un degré de la gamme de Do majeur, et de ce degré-là, on dégage son mode. Voilà un petit peu la distinction qu'on peut faire au niveau du vocabulaire. Est-ce que ça va? Ouais, bah, c'est ce qu'a expliqué Eric derrière. Hein. Très bien, merci Eric. C'est une façon de faire des transpositions, dit Boum Boum. J'allais y venir justement. Maintenant, on imagine que le chanteur, la chanteuse qui doit chanter Stand By Me, ben... là, on a joué en tonalité de Do majeur et on a fait les degrés 1, 6, 4 et 5 en Do majeur. Et le gars, il est là. When the night has come. Ou alors. When the night has come. Voilà, ça t'apprendra. C'est trop haut. Vous pouvez pas baisser la tonalité, les gars, parce que là, pour moi, c'est trop haut. J'arrive pas, je suis à l'arrache. Trop de clopes, trop de sky. Faudrait baisser, les gars. Bon, en fait, ça tombe bien, la tonalité originale, c'est pas celle-ci, c'est en La majeur. Donc, du coup, c'est là que vous pouvez vous servir aussi des degrés, des modes, avec une transposition. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, boum, donc on est sur le 1, le 6, le 4 et le 5e degré. Je vous ai mis la réponse en bas. On va essayer de la faire comme ça. Qui peut me dire en chat quels seraient les accords qu'il faudrait jouer et les modes qu'il faudrait jouer si on était en La majeur? Le 1, le 6, le 4 et le 5, si on est en La majeur. La majeur. Ok, donc le 1, bah c'est là. Forcément, c'est quand même toujours bien de préciser, on ne sait jamais. Le 1, c'est là. Quel est le 6?
Hop, c'est parti dans le chat. Si, la et 1, quel est le 6? Est-ce qu'il y en a qui vont me faire... Alors attends, ton, demi-ton. Est-ce qu'il y en a qui vont compter sur leurs doigts? Est-ce qu'il y en a qui vont repérer la 6 pour dégager le mode? Loïc, fa, Loïc, tu as tendance à oublier toujours un petit truc. T'es pas loin, mais tu sais, tu oublies toujours le petit détail. Cédric, mi, non, mi n'est pas la sixte de la majeure. Eric a la bonne réponse, boum boum aussi, impeccable. Ouais, Vincent, etc. Richard, non. Michel, exact. Cédric, exact, et tout ça. Ouais, il y en a pour certains, c'est la routine hein, maintenant de retrouver ça. Hein. Ok. Ouais, donc effectivement. Ah, Loïc. Ouais, je pense que tu avais pigé que c'était un fa dièse. Hein. Ouais, voilà, c'est fa dièse. Et comme dit Pierre, donc le degré, c'est le fa dièse. Et donc le mode qui lui correspond, c'est fa dièse mineur. Ok. Donc on est sur un fa dièse mineur. Ok, pour le sixième degré. Alors, bah Eric, il a déjà les réponses sur les autres degrés. Le quatrième degré d'un la majeur, c'est-à-dire la quatrième note de la gamme de la majeure. Vous retrouvez vos... Voilà, vous pouvez vraiment retrouver les progressions d'accords comme ça. Hein. Le 4, c'est quoi par rapport au 1? Donc, la, si, do, ré. Ouais, le quatrième degré, c'est un ré. Ok. Alors, Virginie nous demande pourquoi dièse. Alors, regarde bien, Virginie, on est en la majeur. Et donc... S'il te faut le sixième degré de la majeur, tu joues ta gamme de la majeur. La, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la. Tu reconnais bien la mélodie de la gamme majeure. Hein. Du ba, du da, do, de. Et ben, quand tu nommes les notes de la gamme de la majeure, quand tu respectes les tons et les demi-tons, la, si, après un si, un ton plus loin, tu as un do dièse, puis un ré, puis un mi, et un ton après la quinte. Un ton après la quinte, il te faut la sixte, et donc un ton après le mi, c'est un fa dièse qui tombe. C'est la sixième note de la gamme de la majeure. Hein. Ok ? Ouais, ré pour le quatrième degré. Ouais, tout le monde a trouvé, hein, a priori, ce truc-là. Ouais, ça va. Je vois passer des trucs. Tu peux compter sur tes doigts, tu peux... Voilà. Hein. Mais ouais. Donc, du coup, si on sait que Stand By Me, c'est la suite d'accords qui fait 1, 6, 4, 5, eh ben, on peut prendre n'importe quelle note de départ. Donc là, 1, là. Et on sait que le 1, c'est là. On sait que le 6, c'est fa dièse. On sait que le 4, c'est ré. Et on sait que le 5, c'est mi. OK ? Donc, ça veut dire que tout de suite, on peut transposer. Et les cadences, ça sert à ça. 1, 6, 4, 5, bah, n'importe où, en fait. 1, 6, 4, 5, à partir de n'importe quelle note, je retrouve à coup sûr les bons accords. Donc, ça, c'est hyper cool. OK ? Donc, ça veut dire que... Quand on joue Stand By Me, maintenant en La majeur, eh ben on a un La majeur premier degré, un Fa dièse sixième degré, un Ré et un Mi. Et voilà. When the night has come, etc. Da-da-da-da-da. Dès que je chante, mon fils se barre. Boum, c'est fait quoi. Ok. Donc finalement, ben, on peut utiliser la connaissance des arpèges pour repérer les cadences harmoniques, mais on peut aussi utiliser les modes, puisque finalement, si on veut faire une petite, un petit solo ou une ligne de basse un peu plus riche sur Stand By Me, que l'éternel... Que
l'éternelle ligne, etc. On peut faire des arrangements sur Stand By Me, des trucs plus funky, etc. Et ben, le fait de savoir exactement maintenant quelle note, quel mode on a le droit de plaquer sur ces accords, ben, c'est quand même cool. Je vous le fais vite fait. Premier mode donc, ionien. Sixième mode. Quatrième mode. Cinquième mode. Et premier mode, parce qu'on revient sur le 1 à la fin du cycle de Stand By Me. Donc, when the night has come and the world is on the road and the only light we see. Vous voyez que toutes les notes de tous les modes passent très bien sur cette chanson. Donc ça vous laisse du coup l'opportunité à chaque fois de choisir de jouer une ligne de basse qui va être tirée des notes de chaque mode. Ok ? Premier mode. Sixième. Quatrième. Cinquième. Premier. Sixième. Quatrième. Cinquième. Premier. Je suis tranquille dans ma tête parce que comme j'ai isolé chaque mode pour chaque accord, je peux construire mes lignes de basse. Je sais que je serai à chaque fois dans la zone, dans la bonne zone. Ok ? Bon, voilà, voilà un petit peu une explication. Et du coup, si on continue un petit peu le document, eh ben, je vous ai mis une petite tartine de trucs où on va s'apercevoir que finalement, la musique est une escroquerie, hein, évidemment, et que on va retrouver des cadences dans plein de morceaux hyper connus. Donc là, par exemple, je vous ai mis la cadence 1, 5, 6, 4. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ça veut dire qu'une fois que vous maîtrisez vos modes dans tous les sens, là, hein, du premier jusqu'au dernier, eh ben, vous pouvez vous amuser à construire des chansons en combinant ces modes. Et donc, par exemple, une cadence bien connue, c'est la cadence premier mode vers cinquième mode, vers sixième mode, vers quatrième mode. Ou premier accord, cinquième accord, etc. C'est la même chose, tout ça, finalement. Hein. Et donc, cadence 1, 5, 6, 4. Alors, bah, si on prend l'exemple en Do encore. Pareil, hein, dans le chat. 1, 5, 6, 4 en Do majeur. Le 1, allez, on garde la tonalité de Do majeur. Do. Quel est le 5 ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol. Ok. Quel est le 6 ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La. Et quel est le 4 ? Do, Ré, Mi, Fa. Fa. Ok. Let it be. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Et voilà. Speaking words of wisdom, let it be, be. Oui, on termine sur un 5-1. C'est une autre cadence d'ailleurs. Cadence qu'on appelle la cadence parfaite. 5-1. Let it be. Do, sol, do. Mais vous voyez que, ben, when I find myself in time 5, of trouble 6, Mother Mary comes to me 4. Yeah. Et ça marche pour. When I remember when we used to say. Da-d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 a
cry. No woman no cry. Pareil. Ouais, cadence, cadence parfaite à la fin. No woman no cry. 1, 5, 1. C'est exactement comme Let It Be. In the Colors de Ben Harper, tout le monde ne connaît pas. Mais voilà, c'est le même délire. Enfin, c'est la même chose, quoi. Et With or Without You. With or Without You. With or Without You. Oh, I can't leave. With or Without You. Ok. Donc, vous voyez un petit peu l'escroquerie de la chose. C'est que dès lors qu'on maîtrise un petit peu les cadences harmoniques, donc vous avez vu les différents degrés d'une gamme majeure, les différents modes, et ben à chaque fois, on peut retrouver plein de chansons, quoi. Ok ? Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Donc, vous jouez, là, je vous ai joué un petit peu les accords tonique, quinte, octave. J'ai pas fait de tierce, de septième et tout ça pour qu'on entende vraiment les degrés qui passent. Mais bien sûr, suivant les morceaux, vous pouvez rajouter la tierce et la septième majeure. Et donc, on peut vraiment s'éclater. C'était quoi la cadence? Je sais plus. 1, 5, 6, 4, un truc comme ça, c'était ça? 1, 6, non, 1, 5, 6, 4, c'est ça, 1, 5, 6, 4, 1, 5, 6, 4. Ça peut sonner très jazzy quand on met la tierce et la septième dans les accords. Et ben après qu'ils y soient ou pas, vous pouvez appliquer les modes par-dessus, donc encore une fois, et trouver les bonnes gammes qui vont aller sur ces accords-là, quoi. Ok. Dominique, comment reconnaître de suite si on est sur un mode ionien ou lydien? Je me suis déjà fait avoir, c'est pour ça que ton message était modéré, sur un morceau de Satriani où le premier degré était en fait le quatrième. Ouais. Et bien justement, c'est par rapport à la relation avec les autres accords que tu vas pouvoir le faire, et aussi par rapport à la mélodie qui est par-dessus. Effectivement, hein, quand tu as un accord majeur, tu as deux possibilités, soit il est premier degré, soit il est quatrième. Et quand il y a un doute justement là-dessus, il faut vraiment se référer à la mélodie qui est jouée par-dessus. Et au bout d'un moment, c'est juste une affaire de carte augmentée, hein, le truc. Et tu vas voir si la carte juste ou la carte augmentée passe mieux. Ça, après, c'est l'oreille qui décide. Hein. D'un côté, il y a la théorie, c'est sûr. L'autre côté, il y a l'oreille. Il ne faut pas oublier que les petits arrangements harmoniques, c'est-à-dire la nature des accords et tout ça dans les morceaux, c'est fait pour servir la mélodie. Donc, quelquefois, on trouve des règles d'harmonie au profit d'autres règles un petit peu plus tordues. Et à la fin, ça fonctionne parce que ça sert la mélodie. Donc toujours privilégier la mélodie. Hein. Comme disait Jaco Pastorius, melody first. Okay. Et les accords arrivent derrière pour servir. Okay. Si on continue un petit peu, puisque le temps passe, vous le savez, un peu comme ça pour nous tous. Une autre cadence bien connue, l'Anatole. Alors moi, ce que je trouve génial, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est toujours un truc rigolo, quoi, c'est que vous avez vu qu'à partir du même cadence, on a les chansons les plus improbables. Donc je vous ai mis en exemple pour le 1, 6, 2, 5, le 2 peut être aussi le 4, ça dépend des Anatoles. Bah, encore une fois, ça dépend des mélodies, on va essayer de voir ça. Je vous ai mis aussi bien La Mer de Charles Trenet que Every Breath You Take de Police, ou YMCA des Village People, quoi. Donc ça veut dire qu'avec une même cadence, on voyage loin, les enfants, hein. 1, 6, 2, 5. Ok. Donc, 1, 6, 2, 5. Toujours pareil. On garde pour l'instant la tonalité de Do majeur. N'oubliez pas que ça va marcher pour toutes les autres notes de départ. Il suffit de décaler sur le manche. Hein. Ça s'appelle une transposition. 1, 6, 2, 5. Si Do est 1. Alors, on a vu que le 6, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça sera un La. Ok. Le 2. Bah, c'est un Ré, je vais jouer un Ré ici,
Et le 5, ça sera Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça sera un Sol. Et là, ça fait... La mer... Pardon, la mer... La mer... Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, je crois. La mer, quoi. Every breath you take, every move you make, every smile you fake, everything you take. Tiens. Sur ce coup-là, le deuxième degré, il sonne pas super bien sur Every Breath You Take. Ok. Ben, un autre type d'Anatole, c'est de remplacer le 2 par le quatrième degré. Every breath you take. Oh merde. Every breath you take, though. Every move you make. 6. Là. Every smile you fake. Quatrième degré. Every flame you take, cinquième degré, I'll be watching you. Every single day. Mais vous voyez que un degré près, c'est, ça ressemble fortement à la mer, sachant que le 4 peut se substituer par le 2 et inversement. Bah, la mélodie là, de Every Breath You Take m'a conduit à plutôt privilégier le 4 plutôt que le 2. La mélodie, voilà, a plié un petit peu l'harmonie, du coup, pour répondre à Dominique. Hein. Sur ce coup-là, ouais, le 4 était mieux venu. Ok. Bon, YMCA. Young man, you don't stand on the finger of a young man. 6. T'as the better to do than say young man. Oh, le 2 pas terrible. Young man, 4. Da 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 da. Wow, on passe d'Every Breath You Take à YMCA. Every breath you take, every move you make, and tell us in the tunnel. Attends. Ok. Every breath you take, every move you make, young man. Bon, c'est dimanche. Ça y est, je suis parti. Mais bon, vous voyez, l'idée, c'est qu'avec des mêmes cadences harmoniques, on peut construire plein de chansons, ok? Donc du coup, si vous pigez ça... les mi, je vois passer les mi dans le chat, forcément. Donc j'arrête. De toute façon, là, je suis strike. Donc voilà. Ouais. Oui, Cédric. Un éléphant qui se... qui se balance, un 6, 2, 5, l'éléphant, mais oui, tout à fait. Et il y en a tellement d'autres comme ça. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Da 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 chicka da boom. Pour les fans de Cars chez Pixar. Etc, etc. Donc, bon, voilà, c'était un petit peu le propos, là, ce soir, de se dire, bah, finalement, quand on étudie les modes de la gamme majeure, l'harmonisation de la gamme majeure et tout ça, vous pouvez soit bien étudier les arpèges de tous les degrés d'une gamme majeure, de bien étudier les arpèges, quels sont les majeurs, quels sont les mineurs. Si vous voulez avoir les gammes complètes, ben, il faut étudier les modes pour chaque degré de la gamme majeure. Et finalement, les arpèges, les modes, ce sont des prétextes pour composer des chansons, comme vous avez pu le voir, avec ces petites cadences harmoniques, quoi, dont ont usé et abusé, bah, beaucoup de grands noms de la musique, hein, comme vous avez pu le constater, quoi. Et ça donne les chansons les plus enfantines ou les plus crétines jusqu'aux chansons les plus belles, et qui traversent le temps et puis les cultures.
Donc voilà, est-ce que c'est cool sur le principe tout ça? Est-ce que vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'on peut travailler les modes, l'harmonisation, la gamme majeure, quand on est débutant, débutant plus plus, un peu expérimenté, très expérimenté? C'est pas la seule utilisation des modes, hein. Ceux qui aiment l'improvisation et tout ça vont utiliser les modes pour développer vraiment un langage, développer des solos, développer des lignes de basse improvisées, etc. On l'avait un petit peu expérimenté la semaine dernière avec les différentes couleurs des modes et tout ça. Mais en tout cas, oui, alors Virginie, tiens, je regarde. Sur le pont de Every Breath, ça ne fonctionne plus. Oui, oui, attention, hein, là, j'ai juste pris des exemples par-ci, par-là, de repérage de cadence dans des morceaux. Il y a des morceaux qui vont être entièrement constitués de ces cadences-là, et des morceaux qui vont utiliser une cadence pour le couplet et une autre cadence pour le refrain. Donc oui, oui, Every Breath You Take, ce n'est pas que ça, mais c'est une partie. C'est une partie. Hop, là, la cadence est repérée. Et bim, dès qu'on l'a, bah, c'est beaucoup plus facile de se souvenir des morceaux aussi. Hein. Ça me fait penser à un truc. Il y a un truc comme ça que fait le grand Gary Willis. Moi, c'est un de mes mentors, moi, Gary Willis. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous le connaissez pas, ce gars-là. Lui, ce qu'il fait pour mémoriser des chansons, bon, des standards de jazz souvent, mais par exemple, Every Breath You Take, au moins le couplet. La mère de traîner, au moins ce premier couplet-là. Par exemple, la cadence 1-6-2-5, l'Anatole, quoi. Eh bien, en fait, lui, il prend ça comme des numéros de téléphone. Donc, en fait, Gary Willis, il se fait un répertoire téléphonique de cadence harmonique. Donc, pour lui, voilà, on lui demande de jouer tel ou tel morceau. Ben, c'est 1-6-2-5, 2-5-1 majeur, 2-5-1 mineur. 1-6-2-5, 2-5-1. 1-6-2-5, 2-5-1. 162-251. 162-251, voilà. Voilà, 162-251, boum, c'était le standard de jazz, quoi. Et voilà, il procède comme ça, des moyens mnémotechniques de retenir les morceaux. Bon, bref, il y a plein de façons d'envisager la chose, et j'espère que ce soir, vous avez eu un petit aperçu que, bah voilà, finalement, ouais. Je vois passer dans le chat, finalement, il n'y a pas de magie. Si, la magie, c'est de faire des belles chansons avec ça. Hein, c'est vraiment ça, la magie. Par contre, la fabrication, la recette de cuisine, c'est juste des recettes. C'est des recettes à apprendre. Et c'est pour ça que c'est utile de se renseigner là-dessus, de prendre des cours ou d'ouvrir des bouquins sur l'harmonie, parce que c'est des recettes. Maintenant, la façon de faire le plat... Bah, demandez à Sting, demandez à Charles Trenet, demandez à Ben Harper, demandez au Village People comment on arrive à faire un putain de tube avec cette vieille recette qui est l'Anatole. Et tu te dis, mais ouais, c'est bon, c'est éculé comme. Et j'essaie de bien prononcer. Comme recette, quoi. C'est bon, l'Anatole. Et bah, y a encore des gens, et ça s'appelle des artistes qui nous surprennent en fait avec ça. Qui nous surprennent, et en fait la magie elle est là, elle est dans ce qu'on en fait de ces vieilles recettes qu'on vous explique pendant les cours et les masterclass et les visios et les lives. C'est le talent de l'artiste d'en faire un truc magique, justement. Every Breath You Take, hein, super chanson, c'est une putain d'Anatole. C'est ça qui est fascinant quand on commence à ouvrir le capot et à s'intéresser à voir comment c'est fabriqué. Et souvent, on se dit, waouh, c'est que ça, en fait. Ouais, c'est que ça. Mais mec, va la pondre, la mélodie, au-dessus de cette séquence d'accords, de cette cadence. Va la pondre, la mélodie d'Every Breath You Take. Et ça, c'est la magie. Amen. Mais écoutez, si vous avez des questions, on est bon. Sinon... Eh ben, je vous dis certainement à dimanche prochain. J'ai peut-être encore un petit doute là-dessus. Il est possible qu'on saute un dimanche, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, restez à l'écoute. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en partant. Pouce en haut, pouce en bas. Peu importe. Si ça vous a plu ou pas plu. Pouce en haut, c'est mieux. Ça encourage à continuer. Si vous voulez faire un petit tour sur le Tipeee, bienvenue aussi. Pas de souci.
Et restez à l'écoute hein, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je communique, j'essaie de communiquer un petit peu dans la semaine et de vous tenir au courant de ce qui se passe. La chaîne YouTube, hein, et merde, la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, tout ça, si c'est pas déjà fait. Donc, merci aux anciens d'être toujours là, merci aux nouveaux d'avoir visité la chaîne, et puis en espérant que ça vous a apporté des trucs. Prochain dimanche, bon, je pense qu'on va groover, hein. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires et tout ça à me faire des suggestions. J'essaie d'en tenir compte. Là, en ce moment, je réagis plutôt à ce qui se passe pendant les cours. Et j'aime bien faire ça. Mais voilà, je pense qu'on là, on s'est tapé deux dimanches de théorie. On va certainement groover dimanche prochain. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Un petit groove évolutif, peut-être, ça avait bien marché, ça. Un groove évolutif. On démarre sur un groove débutant, et puis petit à petit, on monte, on complique un petit peu le groove, on voit les possibilités. J'aime bien faire ce truc-là, si voilà, s'il y a un petit peu de temps, si j'ai un petit peu de temps pour fabriquer. On peut faire ça, par exemple, dimanche prochain. Ça marche? Merci à vous tous, à table, apéro, pour certains. Ciao, à bientôt. Thank you.